La Gold Edition, regarde un peu le monde qui a tout, m'en fait du bruit s'il vous plaît. C'est un bordel mec, il y a 4 pays représentés ce soir, c'est un truc de ouf. J'ai jamais fait vraiment des grosses intros. Je vais les laisser se présenter à ma droite. Focas, Charleville, alors d'abord un big up pour César, parce qu'il a le bac demain. Donc le big up, un CR7. Yeah, fais du bruit pour lui. Fais du bruit pour lui s'il vous plaît. À ma gauche. Yo, CRC, Luxembourg, Punch League, je suis tellement pas prêt, moi. Ouais. T'es à ma droite, je retrouve plus le billet. Pile ou face? Face. C'est pile, CRC, tu dis quoi? Ok, s'il vous plaît, un maximum de silence pendant les rounds, s'il vous plaît. Quand tu veux. T'es dans le play-off, man. T'as régressé ça pour toi, c'est lourd. CRC, qui est Jeffrey, qui est Hoffman. Y'a que dans Mario Kart qui passe les deuxièmes tours. Tu fais de la figuration sur scène ERC, tu fais le Hoffman Stop. Remercie Godier de te donner un peu d'amour. Même lui l'admet, les rappeurs c'est comme les Klopman, ils ont moins de valeur au Luxembourg. Soit y'en a pas, soit c'est Godier Louvard, soit ils en font des tonnes. Et puis y'a César, un camarade d'école à toi, il disait quoi lui? Un Godier, ils abandonnent. Bonne. Bref, je te fume comme un Krusty, tu me fais marrer comme Krusty, t'es con à mort. Et puis t'es Krusty, ton corps Krusty, t'es au même club de muscu que ton mentor. Mais tout le monde est ébahi, surpris que tu fasses le fanfaron, que tu ramènes ton corps. Moi je me dis, mais comment un feu juif aurait pu rater une édition en or? Je déconne, man, et juif c'est l'avenir. Quand j'ai ma bite et mon couteau, j'ai dit à me circoncire. Ah, en parlant que ta copine, Wingardium Leviosa, elle se fait sous le dégor. Bim bam boum, mon Leviosa, quelque part dans le luxe. Mais comme je suis magique avec ma trique, c'est viol de mort. J'ai mis un bout de bois dans ta meuf, ah, j'en ai fait un encrux. Et tu te dis que c'est une bombe camée? C'est une moche. Elle se fait, pour de la coke, elle se laisse moudre. Ta meuf n'est pas canon, non, c'est une traînée de poudre. Time. Time. Non. Ce soir c'est la Punch League Gold. Waouh, c'est trop fat. Je suis dans les backstage avec la manif suspecte et jeune chill. Pour toi c'est peut-être le battle de ta vie, pour moi c'est juste un peu flee. Godier m'a rappelé à la dernière minute parce qu'il savait très bien qu'une PL son CRC serait pas une vraie Punch League. Yo, ce soir j'apprends Feukaz et Alistair. À Charleville c'est genre le gang dans la cité. J'ai gratté ce battle de la 8 jours les boys, puis je vais quand même vous gifler. J'enchaîne puis j'y vais, toi je t'emmerde de Kinvé. À Paname, je suis monté sur scène avec Godier. Donc moi aussi, je suis un MC du RC. Mais vite fait. Non mais... Non mais, feu casse. Non mais, feu casse. C'est quoi ce mélange entre Nem de taf, Necfeu ou d'une Schneckfeu slave? Vas-y, check tes feux, j'gaz. T'as la mèche à l'ouest, s'il fout le feu, bah c'est juste que ce mec feu j'gaz. Non mais, t'as pas les yeux plus gros que le vent, t'as juste la bouche fine. Tu penses que tu fais peur à qui gros? T'es taillé comme Mitchin. Team Beach, paraît qu'il a obtenu son backstreet avec mention Miskin. Non mais qui connaît Youssoupha dans la place? Et non, t'es plus un ghetto youth. Et j'oublie pas les déférés qui ont la mort aux trousses. Et personne ne peut m'effrayer maintenant que j'ai le juice. Et même ton rappeur préféré ne rappe pas mieux que Youm. Yo, Godier m'a dit c'est fuck that, c'est tout. J'ai dit, je suis fuck assez cool. Mais qui pense que fuck assez fou? Non, mais fuck casse, le fuck casse, s'il me fuck casse les couilles. Oh. Time. Time. Oh.
pas mal, il était pas si naze, mais si je m'appelle Feucasse, c'est parce que de ta meuf, les cheveux, je casse. T'as fait plein de battles parce que t'aimes tâter la défaite, je vois que ça blaireau. Ah, attends, mec. Non, mais c'est incroyable. Dans les jeux vidéo, tu meurs dans les tutos, tu perdais une partie de bras de fer contre la Vénus de Milo. En même temps, tu fais des bas sur les darons. Ça gère, t'as trop la classe. Tu sais ce qu'elle prend quand elle est dans un bar, ta mère? Toute la place. Non, pas de compliments, c'est normal, t'es un bisounours, t'es pas méchant. Juste à la PLT, tes compliments en étaient vraiment, c'était pas marrant. On t'a vu sucer Godier, c'était malaisant. Mais c'est pas ta faute, gars, tu peux faire genre je suis plein de crimes, t'as pas la bonne tête. T'es tellement sympa, miskin, tu fais des claquettes. T'es tellement sympa que tu m'as proposé de venir sur le ring remplacer l'autre tapette. Non, t'es tellement sympa, tes potes veulent faire une tournante, tu prêtes ta copine. Eux, ils voulaient des raquettes. Oh. Non, t'ouvres témoin de Jéhovah, tu cotises à dette chez Emmaüs, t'es un donneur, t'es les lépreux à joindre les deux bouts, quelle horreur. T'es tellement sympa sur un site de cul, fenêtre 100 millième visiteur, tu sais que c'est une arnaque, mais tu cliques dessus pour pas froisser les hackers. Non. Mais au final, en parlant de ça sur internet, tes musiques sont plus dures à trouver que ta sextape, ça c'est louche. En tout cas, je tiens à te dire, dedans, tu as un énorme sgeg dans la bouche. Je te prends sur tous les terrains, en a cappella ou sur un beat. Quoi, tu ne crois pas? Vas-y, invite-moi sur un feat. Ou appelle ta meuf qu'on l'invite sur un fils. Non, n'en fais pas toute une polémique. Vas-y, viens on tourne un film du genre Projet X. Vas-y, viens on fait tourner ta meuf comme dans une passe à 10. Gang bang à la Punch League, ceci est un viol collectif. Non, t'es wack et ça me fait rire. Boy, arrête le rap ou taf tes rimes. Personne dira que ton rap déchire. T'es le roi des mythes, j'te valide pas, yo, t'es pas crédible. Comment tu te présentes à un clash alors qu'à Charleville t'as fait la première partie de tragédie? Je vais déchirer ma main. Je vais t'arracher les couilles puis te bifler avec. On dirait que tu t'es évadé de l'HP avec le VIH parce que tu rappes comme si t'avais le sida en toi et qui criait à l'aide. Je pourrais te plier à l'aise. La dernière fois je l'ai grillé à Esch. Il m'a dit c'est pas où est la vide. J'ai dit oui, la vide c'est un merch. Non mais parfois je suis chez toi, je crains ta meuf. Même pas je ferme la porte. Par contre avec son regard quand elle me mate j'adore. Par contre, la dernière fois, elle a abusé, elle m'a mis du El Matador. Au bout de 5 minutes, j'ai pété un câble, puis j'ai jeté elle et le matelas d'or. Oh non, t'es nul, genre, le cartel. Je parie que tu fais partie de ceux qui disaient que l'édition n'allait pas se faire. Je pourrais baffer toi et tes partenaires. Je fais des trucs que tu pourrais pas faire. Confonds pas, je suis un vagabond, t'es un clochard, je dors partout, tu dors par terre. Oh. Ça, c'était du flow. Ok. T'as pas d'honneur, t'es employé du mois chez les indiques de keuf, mais t'es d'honneur parce que pour rentrer là, ouais, je t'ai donné tes seufs. T'es un rappeur de bas, t'es l'imson, et tu n'es blattes, t'es rien de neuf. Zanté qu'on te file des faces, c'est comme Zanté qu'un cube la tête à faire jouir ta meuf. Tu flippes pour une bouteille d'eau, hein. Flip, t'es dans le caniveau, t'as aucun niveau, et même quand tes rivaux sont rigolos, t'es dégueulasse. Quand t'es le bouche-trou, t'as pas de classe. Dis battle et j'en parle, toujours pas de kill fou, t'es grave naze, donc ramasse, t'es piqué des claques, je tabasse, t'as remis le wack. Je vois pas la menace, je vois que l'arnaque, je vois pas de tasse, je vois pas de niaque. T'es tellement ripo que même tes biscuits BN ne sourient pas, ils restent stoïques. Ni, rien que ton accent me souffle, c'en est humoristique. Et puis en plus, sans déconner, tu pues, c'est toi qui t'es fait virer dans l'avion pour ton odeur impudique. La prochaine fois, sur ma con, voyage avec Airwick. T'es une victime qui mange des beignes sales. Si tu reprends l'entreprise parentale, tu la transformes en entreprise pas rentable. Mais là, on sent qu'il est motivé, ça c'est cool. La plupart du temps, on sent qu'il a envie de faire réagir la foule. Mais la plupart du temps, on sent pas les couilles. Pour toi le rap est un jeu, pour moi c'est un tout. Pour toi le rap est un jeu, pour moi le rap c'est un nous. Big up time. Yeah. Sur Facebook, Feucasse démarque. Mais vu ta presta de soir, tu feras sûrement la prochaine punchy test. Feucasse débarque. Puis mec, là tu trembles comme un soldat qui n'a pas ses armes. J'espère que t'as taffé ton truc bien, mec, parce que me confonds pas, je suis pas César. Je suis le plus différent d'entre nous tous, mec, je suis un mec à part. Me teste, tu dis être capable. Je te prends sur trap ou du gangsta rap. Dans les deux cas, man, je te baisse ta race. Pour la punch league gold, j'écris des textes en or, j'ai ramené des 16 carats. Hey, yo. Et puis t'as dit à ton ancien adversaire que ton appart est tellement craque que même Anne Frank s'y cacherait pas.
Mais wesh, t'es con quoi? Ah, mais elle est tranquille, wesh, elle habite en bas de chez moi. Non, mais vraiment, t'as vraiment dit à Yesouf que son appart était mon crâne, que même Amfran refusait de dormir, de se cacher dans sa chambre. T'es sacrément doué. Mais t'imagines, t'habites à Charleville, si Amfran s'était caché dans ta chambre, on l'aurait jamais retrouvé. Tu fais pas le malin, t'as la taille d'un nain, espèce de sale ranin. Ah. Ok les gars, j'avoue que ça veut rien dire, un peu comme son blaze de pique shake feuka, ça veut rien dire, bah je trouve que ça te va bien. Hey yo, ce soir c'est la fête, c'est officiel. J'ai réservé 2-3 chambres au Sofitel. Tout le monde est invité, tout le monde est majeur. Ah non merde, sauf Little. Donc pour fuck les MC qui annulent les clashs, on s'est bougé le cul pendant 10 jours. Même si c'est du déjà vu. Puis ce qui compte c'est que ton battle à la Punch League man, tu l'as eu. Yeah. Jugez sur les commentaires, on se voit bientôt. Bye.